À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne suit pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le portail de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, Père éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel fort et puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Et assoyez pendant que nous montons pour cet esprit capable de prendre charge tout le monde sous temps ça, assoyez qui vient vous adorer les Seigneurs pendant tout moment que la convention a bien pour durer. Et que tout le monde soit capable de prendre le contrôle de cet esprit depuis dirigeant et fini sur tout le groupe et prédicateur, etc. Et que tout le monde soit capable de préserver et conduire sous la bannière de cet esprit. Amen. Amen. Et à cet esprit, ça, assoya et avec autorité que le Seigneur investit dans nous pour nous capables compléter. Et que 26e convention district nous dans l'église des dieux de quartier d'Orléans et qui inclut Saint-Martin et Guadeloupe et nous déclarer que la convention ça l'est ouverte au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Acclamez le ciel, assoyons et la bénédiction du Seigneur soit. Acclamez le ciel, acclamez le ciel. Yeah.
voisin et dit, the name of Jesus, il dit, le nom de Jésus, is your authority, c'est votre autorité. Tell and tell the next person, dis ça à une autre personne, the name of Jesus, le nom de Jésus, is your authority, est notre autorité. Could you give God praise? Louez l'Éternel. Hallelujah. Louez l'Éternel. Hallelujah. Praise God. God bless you. You may sit. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Let me begin by telling you something. Je vais commencer en vous disant quelque chose. God wants you to have a fresh vision. Dieu veut que nous ayons une vision fraîche. Of the power and the authority that He has given you. Oui. Par rapport à puissance et autorité qu'il te donne. Let me say that again. God wants you to have a fresh vision. Ce qui veut dire, bon Dieu voulait pour nous gagner ça dans la tête, nous, et une vol fraîche. Of the power and the authority that He has given you. Concernant la puissance et l'autorité qu'il nous a donné. You must come to a place. Normalement, on doit arriver dans un stade, dans une position. Where you see yourself as God. Bon Dieu voulait pour la côtoyer, à la côte voulait pour y. He wants you to come to a place. Bon Dieu voulait pour n'ayant lieu. Where you're doing all that God intended for you to do. Ce côté où vous doyez, c'est là que bon Dieu même supposé pour vous y, voulait pour y. This means that you must begin to speak His word. Cela signifie que nous devons commencer à enseigner ou bien parler les paroles de Dieu. This means that you must begin to take dominion over your situations in life. Ça signifie que nous devons prendre autorité et sur tout pouvoir qui a captivé la vie. If you confess Christ as your Savior, because si vraiment vous confessez Dieu en tant que votre Sauveur, and if you know that you are saved, et que si vous croyez que vous êtes sauvé, then you have the power and authority of God invested in you. Et que et vous pouvez utiliser la puissance et l'autorité que mon Dieu a investi en vous. With this position, you are no longer asking God to heal you. Et ma position ça vous pouvez demander mon Dieu pour in this position, non, lorsque on stade ça, la position, that the battle has already been won in the spirit realm. Ce qui veut dire la bataille est déjà gagnée selon le Saint-Esprit de Dieu. And so, with the power and the authority of God, avec la puissance et l'autorité de Dieu, you are now commanding evil spirits to go. Et commander un mauvais esprit pour partir. Demons flee. Deliverance comes in the name of Jesus. This is the authority that every child of God has. L'autorité que chaque enfant de Dieu gagne. I wish you understood how powerful you are as a Christian. I wish you understood that when you call the name of Jesus, things happen in the heaven, in the earth, under the earth. Demons tremble, demons flee, things change in the name of Jesus. In the name of Jesus. Once God causes you to become the conqueror, then you need to begin to act like it. Did you hear that? God has declared us conquerors. The word of God says that we are conquerors. Ça qui sauve nous. This means that we have
And we must do it in the name of Jesus. Nous devons le faire dans le nom de Jésus. Could you say hallelujah? Pouvez-vous dire alléluia? Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jésus, has given you the power. Nous a donné la puissance. And the authority. Autorité. To legally use His name. Pour que nous puissions utiliser son nom. He wants us to use His name. Il veut que nous utilisions son nom. To heal the sick. Pour guérir les malades. How many people know that you don't need to look on the TV for some evangelist to heal the sick? Combien de monde attend pour regarder à la télé? Once the Spirit of God is in you, and you are called a child of God, que le Saint-Esprit est en vous. When sickness comes, you say, be healed in the name of Jesus. You said, be delivered in the name of Jesus. Au nom de Jésus, alléluia. Guéris au nom de Jésus. This is our authority in the name of Jesus. Autorité dans le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus has given you the power. Jésus vous a donné la. He has given you the authority to legally use His name. Normalement, l'autorité pour to heal the sick. Pour guérir les malades. To cast out devils. Et pour chasser les malades. To do greater things than He did. Pour faire les choses. Jesus said, listen. Jesus came on earth and He said, do you think I'm doing great things? Jésus dit qu'on fait la. He told His disciples, greater things than these shall you. And whatsoever, mais peu importe chose que vous demandez, you shall ask in my name. Que vous demandez en mon nom. Whatsoever, mais peu importe quelle que soit la chose. Whatsoever, peu importe quelle que soit la chose. Whatsoever, peu importe. Whatsoever, quelle que soit la chose. Healing is happening. Deliverance is
anything? Si vous demandez, n'est pas quelque chose. Could you say anything? Il n'est pas quelque chose. Could you say anything? N'est pas de bagaille. Could you say anything? N'est pas de bagaille. If we shall ask anything, si vous demandez, n'est pas de bagaille. In my name. Non, à mon nom. That the name of Jesus, nom de Jésus, is your badge of authority. C'est votre badge de the name of Jesus, votre nom is de what Jésus. Gives you victory. C'est qui vous donne when the enemy comes in like a flood, when the enemy comes in like a flood, lorsque l'ennemi est venu comme une déluge, and your back is against the wall, et puis votre dos est contre le mur, and there seems to be no way out. Et vous parlez qui côté pour sortir. All you need to do is call Jesus. Tout ce que vous faites, all you need to do is call Jesus. Non, non, afin de remporter la victoire sur l'ennemi. Amen. Amen. When situations are happening in your life, c'est il y a des situations qui vous arrivent dans la vie. You don't need to go tell your neighbor. C'est pas la peine d'aller dire au voisin tout ce qui vous passe. You don't need to even call the pastor. C'est pas la peine même appeler le pasteur. Hello. Amen. You don't even need to gossip about your situation. All you need to do is call Jesus. Call Jesus. 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 Hallelujah. In the natural world, dans le monde naturel, law enforcement officials, people like the police, pardon, les gens remettent de différents lieux. They carry a badge. Yo porte yon identité, un badge. They carry a badge. Yo porte yon identité, yon badge. They show it at the doors. Et puis lorsqu'ils arrivent dans la police, there's a look on the police. Yo montre un badge là à la police. This is their authority. Ça c'est autorité au badge. Hello. This is what gives them the right. C'est ça qui yo droit. To carry out the law. Donc pour yo porte la. They show their badge. Say listen. I tell you, while they're wearing the badge, they do not have the legal right to act according to their own wishes. They have to act according to the law. Mais ils doivent agir selon la loi. Because the badge is their authority. Parce que badge là ou bien hello? Ça c'est autorité. Well, the same thing is true in the spirit realm. C'est comme ça aussi. Hello? Même aussi dans les choses spirituelles. In the spirit world. Et bien dans le monde spirituel. The name of Jesus is your badge of authority. C'est-à-dire le nom de Jésus c'est votre autorité. It gives you all the power. Et vous dites bah où tout to act on behalf of the kingdom of God. Afin que vous agissiez. It gives you all the power. Libère tout pouvoir. To enforce and fulfill God's will on earth. Pour renforcer et accomplir la volonté de Dieu sur la terre. When you use the name of Jesus. En utilisant le nom de Jésus. To speak healing. Pour nous capables de parler. Or deliverance. De guérison ou bien de délivrance. Jesus the Father. Jésus le Père. And all of heaven. Et bien tout le ciel tout entier. They stand behind you. Yo campé derrière. Yo they stand behind you. Vous jouez de l'enfant. Oh my God. Le ciel. Because you see, sometimes. Vous voulez parfois. Down here and out. Ici, à ce moment-là. People tend to feel. Et bien moi, ce type où. And all you just a little Christian. Même si vous êtes chrétien. But no. Mais. You carry the badge of the name of Jesus. Le badge du nom de Jésus. The whole of heaven stands behind you. Alléluia. C'est tout le ciel. You are no longer. C'est tout le ciel. It's a
understood. They stand behind you to make sure that what you ask the Father comes into being. They make sure all the angels of heaven stand behind you to support you so that what you say comes to pass. Hallelujah. 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 And so Jesus said, si, whatsoever we ask in his name, he will do it. Peter understood this very well. And so in Acts 3, et puis, dans Acts chapitre 3, Peter, verset 6, he ministered to a sick man. Il prêchait à un homme qui est malade. This sick man, et l'homme qui était malade là, went to the temple gates for years. Il était à la porte de l'église pendant. He was crippled. Il était toujours là, dedans. Il n'était pas capable de bouger. He just placed his hands out when he heard footsteps. Seulement lui s'est allongé même pour la demander. Expected to receive money. Pour l'attendre que parle quelque chose à ce moment-là. But this day Peter and John is going to the temple to pray. Mais Pierre, comme par hasard Pierre et Jean étaient dans le temple pour prier. And so, when he saw him, the scripture says, et puis, la l'écriture dit, he put out his hand, il n'a jamais dit, expecting to get money. Et bien espérant qu'il trouvera quelque chose à faire dans l'argent. But Peter said, mais le Pierre dit, look at us. Non, nous pas d'argent. Look at us. Regardez-nous. We don't have money. Regardez-nous, nous n'avons pas d'argent. But what we have, mais ça nous gagne. We're going to give you. La parole. In the name of Jesus. The scripture said that right away receive strength in his ankle bones. He jumped and he leaped and went into the temple. Do you hear me? Right now tonight, I want to speak to those of you who are not feeling well in your body. If you don't feel well in your body, stand in the aisle right here, because Jesus is here. He wants to heal you. Jesus. This layman was healed. Et puis, il y a peur qui est contre, commence à traîner. Il a dit,